Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est ma première vidéo des 24 équipes qui vont représenter la CAN 2019 qui vont se dérouler évidemment du 21 juin au 19 juillet, à suivre en intégralité sur la chaîne Thomas Parle Foot, le live commenté des rencontres, les débriefs de matchs et d'autres surprises. Donc je vous invite dès maintenant les amis à vous abonner à la chaîne, le bouton rouge, et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater, début du direct ou vidéo. On part tout de suite évidemment du côté de l'Egypte, hein, le pays organisateur du groupe A, et nous on se retrouve à la fin de la vidéo évidemment pour un petit sondage, un peu de géographie, ça fait pas de mal pour se situer évidemment, avec donc l'Égypte qui se trouve au nord-est du continent africain, sa capitale Le Caire, 20 millions d'habitants. C'est tout simplement la ville qui a le plus de taux de croissance mondialement, c'est une cité en pleine extension, c'est incroyable. Avec donc le symbole, les pharaons, pas la peine de vous faire un dessin quant au choix de cette représentation pour la tunique des Égyptiens, le palmarès complètement dingue de l'Égypte, hein, qui fait de lui l'ogre de la compétition sans aucun doute, avec donc 7 fois vainqueur, 57, 59, 86, 1998, 2006, 2008 et 2010, donc la 23e participation, c'est juste dingue. Le parcours somme toute cohérent quant aux ambitions des Égyptiens, avec donc cette deuxième place, hein, l'Égypte donc était qualifié automatiquement, même s'il n'était pas avant, car le Cameroun a été déchu de sa place d'organisateur, donc il finit deuxième avec 13 points. Le duel entre les deux, évidemment, les Aigles de Carthage qui ont battu l'Egypte 1-0, et cette revanche complètement folle, le fait marquant, on avait commenté ce match en live, les amis sur la chaîne, avec ce but de Mohamed Salah à la 90e minute, et cette victoire 3-2, donc encore une fois, un parcours cohérent. Le coach qui est, lui, expérimenté, il est arrivé donc en 2018, c'est Javier Aguayer, le 2 août, plus précisément, il a passé par le championnat espagnol avec Osasuna, l'Atlético Madrid, Saragosse ou encore l'Espagnol Barcelone, et aussi les sélections nationales comme le Mexique ou le Japon, donc encore une fois, un entraîneur avec une patte expérimentée pour essayer d'apporter un 8e titre pour les pharaons. Les groupes, évidemment, la poule qui a été tirée au sort devant les pyramides, avec donc le groupe A, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe. Donc groupe quand même abordable, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Les programmes, le 21 juin, le match d'ouverture contre le Zimbabwe à 22h. Le 26, toujours à 22h contre la RDC. Et le 30 juin à 21h contre l'Ouganda. Donc encore une fois, un groupe abordable. La préliste, en attendant évidemment la liste de 23 officielle communiquée par les différents coachs des sélections. La préliste à retrouver sous la description entièrement, les amis. Donc, les 25 joueurs qui feront les stages, hein, les deux matchs amicaux contre la Tanzanie et contre la Guinée en amont de ce match d'ouverture le 21 juin. A noter donc la présence évidemment de Mohamed Salah, Mahmoud Trezeguet aussi, Mohamed Elneny, on va en reparler, et Mohamed El Shenawy, le gardien qui devra un petit peu essayer de faire oublier, hein, l'ombre du El Hadary, énorme gardien emblématique de l'Égypte. Donc cette liste à retrouver complètement en dessous la description, les amis. Les joueurs à suivre, hein, la catégorie que vous attendez tous évidemment, j'ai retenu 3 joueurs, hein, pour essayer vraiment de les pister par rapport à cette CAN 2019, avec donc évidemment Mohamed Salah, hein, 22 buts, une saison un petit peu moindre en première ligue, mais ça avait tellement été énorme l'an dernier, finaliste contre Tottenham ce samedi. Mohamed El Neni, donc le jeune milieu de terrain de Arsenal, hein, qui ne joue peu, hein, en première ligue, mais plutôt utilisé par Unai Emery par rapport à Ligue Europa, lui aussi finaliste contre Chelsea mercredi. Et le buteur, Ahmed Hassan Maghoub, dit Coca, 11 buts, hein, lui qui a fini vice-champion du championnat grec. En tout cas, ces 3 joueurs pour moi sont à regarder de très près pour les pharaons. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres joueurs. C'est parti avec donc le petit bilan, les amis. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des vidéos et des lives, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, tous vos réseaux sociaux, et à mettre un petit pouce en l'air, le petit like qui fait plaisir, et le petit sondage de la fin de la vidéo, évidemment, à votre avis, tout simplement, est-ce que l'Égypte va remporter cette CAN 2019? Vous mettez oui et vous mettez non, ou vous mettez non, évidemment, comme ça on verra le résultat dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite, les amis, et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, comme vous voulez. Salut, 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 et salut, ciao, 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 salut.